Je m'appelle Adora. Je suis la sœur de Musclor, la gardienne du palais du pouvoir. Lui, c'est Éclair, mon fidèle destrier. J'ai découvert un secret fabuleux le jour où j'ai brandi mon épée en disant « Par l'honneur du crâne ancestral !» Je détiens le pouvoir. Nous sommes peu nombreux à partager ce secret. Il y a entre autres Madame Raz et Serenia. Tous ensemble, nous luttons avec les rebelles pour chasser définitivement les forces diaboliques de Hordak. Musclor et moi, nous nous chargerons des gardes. À vous de faire sortir les prisonniers. Ça marche! Allez, en avant! Allez, petit frère, tu peux faire mieux que ça! Allez, encore un petit effort et on y est! Pour la rébellion! Tes hommes n'extraient pas assez de nucléons. J'espère que tu as une bonne explication. Oui, et il tient en un mot. Rébellion. Les rebelles attaquent le camp. Je n'ai plus assez d'esclaves, seigneur. Les rebelles ne sont plus un problème. J'ai fait un marché avec les monstroïdes. La rébellion vit ces derniers jours. Un marché avec ces créatures? Oui, ne t'en fais pas. Retourne vite dans tes mines. Tu auras bientôt toute la main d'œuvre dont tu as besoin. Oui, tout de suite. À vos ordres, seigneur Antak. Shira et ses amis vont bientôt avoir une énorme surprise. Une, que dis-je, 6 énormes surprises. Célébrons aujourd'hui la journée des fleurs. Pour l'occasion, mon frère Adam et certains de ses amis ont fait le voyage depuis la lointaine Eternia pour fêter avec nous la beauté et l'harmonie de notre monde. Et pour rendre hommage au courage de ses habitants, ici même sur le sol de la montagne aux fleurs. Fleurs des champs, fleurs de lys et de délices, j'ordonne que tu grandisses. Merci, merci. Je sais, je suis le meilleur. Allez, plus fort. Maintenant, se regarder. Fleurs des champs et fleurs des prés, je te l'ordonne, disparaît. Bah, ça marche pas tous les coups. Adora, on nous a attaqués. Vite, apportez-lui de l'eau. Ils ont enlevé tous les hommes et puis les enfants aussi. Ils travaillaient au champ quand les monstroïdes sont arrivés.
Oh non, non, pas les monstroïdes. On ne peut pas lutter contre ces monstres. Ordak est derrière tout ça. Il a dû faire un marché avec les monstroïdes. J'en ignore les termes, mais le but d'Ordak n'est que trop clair. Il veut briser la rébellion. Si les attaques ont commencé, ils seront bientôt ici. Dis-moi, où les tiens ont-ils été conduits? Dans les mines de Nucléon, où ils deviendront des esclaves. Ne t'en fais pas, vieillard. Avant la tombée du jour, tu les auras rejoints. Connecte-moi avec le centre de contrôle, monstroïde. Ici, contrôle, monstroïde. Je te reçois, Ordak. Adora et sa bande de troubles faits sont sur la montagne aux fleurs. Dans une heure, je veux tous les voir dans mes camps de travail. Bien reçu. Et tant que vous y êtes, je veux que vous me détruisiez toutes les fleurs de cette montagne. Des fleurs? Tu veux que nous, monstroïdes, nous, les plus puissantes machines de guerre de l'univers, nous saccagions des parterres de fleurs? Tu vois, tu comprends vite quand tu veux. Allez au travail maintenant. On ne peut pas les laisser toucher à la montagne aux fleurs. C'est le cœur de notre peuple qui est ici. Les gens perdraient tout courage, ça serait la fin de la rébellion. Si Shira et Musclor pouvaient se montrer, ils tomberaient vraiment à pic. Adora, les épées ont disparu. Disparu? Mais comment? Orko? Orko? Tu ne jouais pas avec ces fleurs tout à l'heure? Ah, ça vous a plu alors, hein? L'ennui, c'est que nos épées se trouvaient à côté et elles se sont envolées. Vos épées? Mais j'y ai pas touché à vos épées, moi. J'ai fait grandir quelques fleurs, j'en ai fait disparaître de... Oh non, non, c'est pas possible. Vous croyez que j'ai peut-être fait une... Une grosse bêtise, oui. Allez, dépêche-toi, retrouve-les. Allez, retrouver? Bien sûr, oui, tout de suite. Alors voyons, j'ai jeté un sort de transformation... Non, non, de colorisation. Ah, non, non, non. Commence par le commencement, Orko. Le commencement? Ah oui, c'est logique. Mais par où j'ai commencé? Fleurs des champs et des prés disparaît. Ah, j'ai compris. J'ai mal prononcé. Des prés, épée, ça se ressemble. Allez, c'est parti. Ma langue a fourché par malheur. Que soit réparée mon erreur. Oh, oh. Hé, chouette, ça fait des années que je cherche. Orko, nos épées, dépêche-toi. Les monstroïdes ne doivent plus être bien loin. Allons, Adam, je crois qu'on va devoir se passer de Musclor et Shira. Oui, je le crois aussi. Allez, Orko, on compte sur toi. J'imagine qu'Ordak doit apprécier le spectacle. Oh oui, ça, il n'y a pas de doute. Petite sœur, il faut réussir à trouver le point faible de ces monstroïdes. Oui, voyons, laisse-moi réfléchir. Leur moteur à combustion utilise un carburant préchauffé, non? Oui, exact. À quoi est-ce que tu penses? Oh, je me demandais ce qui se passerait si on arrivait à refroidir ce carburant. Leur moteur s'arrêterait. Félicitations, Adora. Glacia, Snoot, on va avoir besoin de vos talents. Quand tu veux, Adam. Tu viens, Snoot? On a du travail. On a besoin de bombes réfrigérantes. Il nous les faudrait en forme de beignet et disons à peu près de cette taille. Pas de problème, j'envoie des anneaux liquides dans les airs. Et moi, je congèle en plein vol, ça vous va comme ça? Excellent, essayez d'en faire le plus possible. Alors, où en es-tu, Orko? J'ai retrouvé pratiquement tout ce que j'avais égaré. Tout, excepté nos épées, pas vrai? Adam, je suis vraiment désolé. Comment est-ce qu'on va lutter contre ces monstres? Pour ça, laisse-nous faire, on a notre petite idée. Toi, continue à chercher les épées. Ne te décourage pas, on compte sur toi, Orko. À vos ordres, chef! Madame Raz, Broom, vous êtes à dater d'aujourd'hui les premiers officiers des forces aériennes des Terria. À vos ordres, c'est un honneur! Oh, et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, ma chère Adora? Une mission de bombardement, des frappes chirurgicales. Oh, grainons d'un balai. Chirurgical? Moi qui voulais être médecin. Capitaine Raz et Broom, au rapport. Allez, au travail, allons voter l'arrière-train de ces boîtes de conserve. J'ai toujours rêvé de dire quelque chose comme ça. Allons, décollez, capitaine! Ouais,
fais ce que je peux. Cette pauvre Adora a perdu la tête. Elle est partie attaquer les monstroïdes avec des beignets glacés. Parfait, nous sommes sur l'objectif. Il ne faut pas rater notre cible. Il faut frapper derrière les oreilles. On va effectuer un premier passage. À l'attaque, capitaine Broom! Banzai! Stabilisez le vol, capitaine. Attention, première bombe larguée. Je crois que ça va être un court but. Oh ben non! Non, il s'est retourné, c'est raté. Non, il nous poursuit. Ali, vite, redresse. J'y arrive pas. Oh, on a eu chaud, là. Grimpe, vole en direction du soleil. Oh, mais c'est une excellente idée, ça va l'aveugler. Il ne nous verra pas venir. Cette fois, l'aviation éthérienne remplira sa mission. Je vous fais confiance. Allons régler son compte à ce monstroïde. Attention, stabilise ton vol. On y est. Et je largue. Dans le mille. Et une première croix sur notre tableau de chasse. Oui, et c'est grâce à toi, Adora. On ne va quand même pas s'arrêter là. Et combien des tiens ont été touchés? J'ai trois monstroïdes hors service. Je te le dis, ça ne me plaît pas du tout. Oh, tac. Tu crois peut-être que ça m'amuse? Attention, cible en vue. Ouh! Repéré, je vise et bombe larguée. On est à court de munitions. Eh bien, on rentre à la base. Crénom d'un balai. Imaginez un peu l'humeur d'Orda qui doit être furax. Quatre monstroïdes au tapis. Combien de temps pour les réactiver? Toutes les unités seront pleinement opérationnelles dans un peu moins de 10 petites minutes. Orda. Vu qu'apparemment écraser des fleurs, c'est trop dur pour vous, oubliez-les et dirigez-vous vers la montagne. Je veux ces rebelles. Alors, toujours rien? Non, et pourtant j'ai même retrouvé des choses que j'ignorais avoir perdues. Je suis découragé, Adam. Allons, Orko, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Il nous faut ces épées. Et vite, tu m'entends? Bien sûr, excuse-moi, Adam. Épée égarée, apparaissez, soyez aimables, faites que je me sente moins coupable. Oh non, encore un vieux chapeau, c'est bien ma veine. Bravo, vous avez fait du bon travail. Ça a bloqué leur avance. Merci, mais ce n'est pas fini. Il faudrait s'en débarrasser pour de bon. Oh, pour ça, je crois bien que j'ai une idée. Je n'en attendais pas moins de toi. Si je comprends bien, tu voudrais leur envoyer une avalanche de beignets glacés. Eh oui, seulement des beignets de cette taille ne leur feront aucun mal. Oh, c'est sûr. Mais si on pouvait les rendre un peu plus gros? Là, ça ferait l'affaire. Donnons une chance à Orko. Ah, tu voulais me voir, Adam? Voilà, Orko. Ces blocs de glace, il me les faut, disons, 50 fois plus gros, d'accord? Oui, mais... Et vos épées, alors? Chaque chose en son temps. La glace d'abord, les épées ensuite. Ouf, je vais essayer, mais... Oh, oh, oh. On dirait que les monstroïdes sont sortis de leur hibernation. Faire grossir quelques beignets de glace, c'est trois fois rien pour un magicien comme toi. C'est un jeu d'enfant, pas vrai? Bon, j'essaie avec un premier pour voir. Beignet de glace! Beignet glacé! Deviens énorme, s'il te plaît! Voilà, c'est ça, Orko. Absolument, c'est parfait. J'étais sûr que tu y arriverais. Bon, un deuxième, voyons voir. Beignet de glace! Beignet glacé! Deviens énorme, s'il te plaît!
Bravo, bien joué, Orko. Maintenant, il faut faire le reste. Allez, on continue. Beignet de glace. Obéissez en méga beignet. Soyez changés. Tu vois, quand tu te concentres, tu réussis tout ce que tu veux. Merci beaucoup, Orko. Et maintenant, si tu veux bien nous retrouver nos épées. C'est comme si c'était fait. Capitaine Raz, au rapport. Voilà votre mission. Vous allez détourner l'attention des monstroïdes. Occupez-les, nous devons gagner du temps. Oh, crénom d'un balai. J'ignorais que c'était aussi amusant, l'armée. On a les leviers, Adam. Qu'est-ce qu'on en fait? Placez-en un devant chacun des beignets et placez un bloc de marbre dessous. Eh bien voilà qui est parfait. À présent, occupons-nous du reste. Attention, ouverture des soutes à beignets! Ouverture des soutes à beignets! Allez, attaque en piqué! Activez les rayons thermiques! Allez, il est temps de faire fondre la glace! Oh non, crénant d'un balai! Toutes nos munitions ont fondu! On rentre à la base! Il faut faire vite. Notre seule chance, c'est d'atteindre les cibles tant qu'elles sont encore groupées. Oh, ils ont un problème! Ils n'arrivent pas à bouger les beignets! À nous de jouer! Vite, aux autres maintenant! En fin de compte, une fois qu'on a pris le coup de main, c'est pas si difficile que ça pour vous. Alerte dispersion, écartez-vous! Un de moins. Et de quatre! Il n'en reste plus que deux. Utilisez vos lasers! T'as le ferraille décérébré! Oh oh, c'est le moment de passer au plan B. Ah bon? On a un plan B? Non, mais c'est ce qu'on dit toujours, non? Bon, faut que j'y arrive. Tout ça, c'est de ma faute. Je dois me racheter. Oh non! Allez, Orko, t'as pas le droit d'abandonner. Ils comptent tous sur toi. Bon. Hé, mes minutes! Ça y est, oui, je crois que j'ai la solution. Fleurs des champs et fières épées, je vous l'ordonne, réapparaissez! Bravo, mon vieux, joli travail. Et juste à temps. Allez, petit frère, le travail nous attend. Par l'honneur du crâne ancestral! Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Bon, on y va, petite sœur. Mais avec joie, mon cher frère. Hé, hey, bonne chance! À toi de jouer, Glacia. Congèle-moi ce lac. Dépêche-toi, ils arrivent. Allons, un peu de patience, c'est presque fini. Et voilà, vous avez une magnifique patinoire. À nous, petits frères, et... Soulève! Tu es prêt? Un,
deux et trois. J'ai l'impression qu'on ne reverra pas les monstroïdes de sitôt. Aujourd'hui, nous avons été attaqués par les plus puissantes machines de l'univers et nous l'avons emportée. Je crois que l'on pourrait faire de ceci le symbole de notre lutte contre la Horde. La Horde est dure comme la pierre. Et nous sommes aussi fragiles qu'une fleur. Les chances ne sont pas égales, mais à l'image de cette pousse qui a su réussir à germer et à fleurir dans la roche, nous trouverons un moyen de vaincre la Horde. J'en fais la promesse. Un jour, notre peuple sera à nouveau libre. Un jour, Etheria sera libérée. Bonjour! Alors, vous avez trouvé où j'étais caché? Non? Eh bien, essayez encore! Alors, vous me voyez? Eh oui, je suis là! Aujourd'hui, Orko a aidé Adam et Adora à vaincre les monstroïdes. Il nous a montré qu'il n'était pas nécessaire d'être grand pour faire de grandes choses. Car ce qui importe le plus, c'est de croire en soi. Et si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne réussirez jamais rien. Allez, au revoir! Pour l'amour et sa gloire.